En ce moment, Lily Rose fait des énormes bêtises. Hier, elle a cassé mon téléphone et avant-hier, elle a cassé l'écran de ma tablette. Du coup, avec mon père, on a décidé de la mettre dans un internat. C'est-à-dire qu'elle va aller à l'école toute la semaine, elle va dormir là-bas et elle va rentrer que le week-end. Sauf qu'elle a décidé de pas se laisser faire et elle a décidé de partir de la maison toute seule. C'est une très très grosse bêtise, ne faites jamais ça. J'en peux plus de Lily Rose. Hier, elle a cassé mon écran de téléphone que j'avais réparé il y a 2 jours. Il faut vraiment faire quelque chose parce qu'elle devient de plus en plus insupportable. Je suis là, et oh, vous êtes où? Elle range jamais ses affaires, je pense qu'il faut faire quelque chose, Esteban. Il faut trouver une solution. Esteban, Peppa Pig, vous êtes où? Attends. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu parler d'un internat. Un internat? Bah, on peut essayer de la mettre là-bas, au moins on sera tranquille toute la semaine. Elle ira à l'école le lundi et elle reviendra le vendredi et t'auras juste à t'en occuper le week-end. Et le reste du temps, on sera tranquille. Ouais, mais elle risque de pas être d'accord aussi. Bah, le problème, c'est que si elle sait ça, bah, elle va faire une grosse crise. Mais bon, c'est la seule manière pour nous d'être totalement tranquille. Mais qu'est-ce que j'entends? Il parle d'internat? Mais c'est trop bizarre, il parle pas de moi, j'espère. Mais pourquoi il parlerait d'internat? Bizarre tout ça. Oui, mais bon, si ça peut lui faire ranger ses affaires et être. Mais tranquille. Non, mais elle rangera pas ses affaires, nous, c'est juste qu'on sera tranquille ici, elle arrêtera de casser des trucs. Et la semaine dernière, c'était pas mon téléphone, c'était mon iPad. Elle a cassé totalement l'écran. Elle a même cassé ton iPad. Et puis ce pauvre hamster, tous les jours, elle le met dans des autres cages, dans des boîtes, elle joue avec du slime avec. Enfin bref, c'est insupportable. Bon. Ce que tu vas faire, c'est que. Elle va rentrer de l'école. Tu vas lui annoncer ça, tu vas lui annoncer qu'on cherche un internat pour elle, et c'est tout, ok? Ok, bah je lui dis. Mais je m'occupe pas de ça, ok? Bon, allez, je vais lui dire. Allez, reste là et... Ils veulent m'envoyer en internat, ils en ont marre de moi! Bon. Tu lui diras quand elle rentrera. Allez, j'ai peur de sa réaction quand même. Reste là, allez. J'ai peur de sa réaction. Moi, je pars d'ici. Comment ça, un internat? Qu'est-ce que vous dites? Vas-y, je te laisse te débrouiller avec Peppa Pig. C'est lui qui a voulu ça. Ouais, voilà. Oui, d'accord, bah. Oui, ben Lily Rose, j'ai quelque chose à dire. Écoute, voilà. En ce moment, tu es insupportable. Mais comment avec ça, Esteban, on en a discuté. Tu as cassé sa tablette. Tu lui as cassé beaucoup de choses. Laisse-moi terminer. Alors, avec moi, tu ne ranges pas tes affaires. Hein, et c'est pour ça qu'on a décidé de te mettre en internat. Quoi? Non, en internat, non, mais pas possible. Déjà, j'ai pas cassé le téléphone d'Esteban, j'ai pas cassé la tablette d'Esteban. Comme tu dis, c'est lui qui l'a cassé. C'est lui qui l'a cassé. Voilà, donc arrête de dire ça. Et n'importe quoi, je range tout le temps mes affaires. Hein. Je range tout le temps. Si tu veux m'envoyer en internat, si tu veux plus de moi, bah pars d'ici. C'est pas moi qui dois partir, c'est toi. Allez, vite, dépêche-toi. On va s'expliquer plus tard. Oh, il m'énerve. Oh là là, ils veulent m'envoyer en internat, mais n'importe quoi. Ils veulent que je parte en internat, ils veulent plus de moi. Et ben on va voir ce qu'ils font si je pars toute seule. Je suis sûre que je vais leur manquer, je suis leur petite chérie. Bon allez, je vais faire mes affaires, je vais partir de cette maison. Alors je vais prendre quelques habits, un pull. Bon ça va, de toute façon ils vont se mettre à ma recherche dans 10 minutes. Et voilà, après je vais devoir rentrer, etc. Bon bref, voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre ce doudou. Je vais prendre quoi d'autre? Un pantalon hein, quand même. Je sais pas ce que je pourrais prendre d'autre. Bon, je pense que je vais y aller parce que sinon ils vont se rendre compte que je suis en train de préparer mes affaires. Ils vont dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et ils vont m'envoyer en internat. Allez vite, j'y vais. Par contre, faut pas que je fasse trop de bruit. J'espère qu'elle va bien le prendre parce que c'est vrai que c'est pas très sympa de la mettre en internat comme ça d'un coup. Mais bon, c'est la seule solution pour qu'elle se calme un peu parce que là, c'est particulièrement insupportable. Enfin bref. Je vais appeler un internat, ou plutôt je vais laisser un message. C'est pas le bon téléphone. Hop. Et je vais dire qu'une petite fille risque d'arriver. Et bon, de toute façon, je compte pas la laisser toute l'année. Je vais la laisser 2 semaines, le temps qu'elle se calme un peu. Et après, on sera tranquille. Enfin, j'espère. Ah bah tiens, Peppa Pink, t'es là. Alors, oui. Comment elle l'a pris, là? Bah écoute, elle a mal pris, hein, comme ouais, je m'y attendais. Elle t'a viré de la chambre? Bah oui. Ça, on pouvait s'y attendre. Hein. Mais j'espère juste qu'elle va pas s'enfuir, hein, parce que c'est un peu sa spécialité en ce moment, dès qu'elle est pas contente. Bon, j'espère, de toute façon, l'internat, il va s'en charger. Non, non, mais s'enfuir maintenant, là, oui, pas s'enfuir de l'internat. Je pense, j'ai fermé la porte, t'inquiète. On va attendre 5 minutes et on va essayer de la calmer. On va lui dire que tout ira bien. J'espère qu'elle comprendra la leçon, parce que... Hein, oui. Elle arrêtera de casser tes affaires. Oui.
Hein ? Oui. Tu les as appelés, là ? Oui, oui, c'est bon. Bon. J'ai dit, Rose, on est désolé pour ce qui est en train de se passer, là, pour l'internat. Mais c'est juste qu'en ce moment, t'es vraiment insupportable. Donc, on est obligé. C'est pas la peine de te cacher sous ton... Lily Rose ? Eh oh ! Lily Rose ! Lily Rose ! Oh non, je m'en doutais. Elle a dû s'enfuir. À chaque fois, elle nous fait le coup. Et elle sait très bien qu'on va la chercher. Oh, c'est pas possible. Lily Rose ! Bon, j'espère qu'ils vont vite partir à ma recherche. Je vais me mettre dans un coin et j'espère quand même qu'ils vont me retrouver. C'est sûr qu'elle s'est enfuie, quoi. J'ai plus aucun doute. Lily Rose, Lily Rose, c'est fini finalement l'internat. Tu vas pas y aller. Tu vas pas y aller. Lily Rose, Lily Rose, Lily Rose. Elle a pris son pull préféré. C'est sûr qu'elle est partie avec quelques affaires. Mais elle sait très bien qu'on va la chercher. Mais papy, elle est partie, je t'avais prévenu. C'est parti les amis, on est parti dans la rue. Là on va vous vlogger un peu ce qui se passe. On espère qu'on va retrouver rapidement Lily Rose. Bon, je pense qu'elle a fait exprès de s'enfuir pour nous montrer qu'elle est pas contente. Mais j'espère que elle l'a pas fait pour de vrai. Donc allez, c'est parti, on y va. Et moi je pense qu'elle est partie au parc avec la forêt là-bas. Non, c'est pas elle. Mais c'est pas elle du tout. C'est une personne qui fait 2 mètres. Bon, j'espère qu'ils vont venir me chercher. Bon, s'ils me demandent pourquoi, je vais leur dire que je voulais pas aller à l'internat. Du coup, je suis partie. Mais bon, s'ils viennent pas me chercher, moi je vais rentrer chez moi. J'ai pas envie de rester là longtemps. Bon, voilà, nous sommes dans le parc avec la forêt. Et ça m'étonnerait pas de trouver Lily Rose. Ah, comme par hasard, les voilà. Vraiment pas. Là-bas, non. Attends, non. Regardez-moi ça. Oh là là, regardez qui est dans les feuillages là. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là, Lily Rose? Je suis partie parce que j'avais pas envie d'aller à l'internat. Et du coup, t'as voulu t'enfuir? Oui. Mais tu comptais rester toute la nuit et tout parce que j'ai vu que t'avais pris des habits et tout plusieurs jours. Oui. T'avais prévu d'aller où? Je sais pas, j'avais prévu de rentrer. Enfin, j'avais prévu de dormir là et tout. Non, je savais que vous allez venir, donc du coup, Ah, voilà. Tu es sur le coup de la colère en fait. Oui. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas vraiment y aller à l'internat. Bon, et d'ailleurs, rentrer à la maison, on va t'expliquer ce qu'on a trouvé. Allez, on rentre, Lily. Et on va t'expliquer. Allez, c'est parti, rentre dans la chambre, Lily Rose. Lily Rose? Quoi? C'est quoi ça? T'avais laissé tomber ton téléphone? Non. Attends, c'est quoi ce bazar? Lily Rose, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi il est en plein milieu? Non. C'est une blague. Regarde comment il est abîmé. L'écran, il est tout cassé, il est tout noir. Il y a des taches noires. Me dis pas que t'as encore cassé un téléphone. Non. C'est pas possible. Mais... Non mais on t'envoie à l'internat parce que tu casses nos téléphones, tu fais plein de trucs. Là, je te laisse rentrer dans ta chambre pour ranger tes affaires. Je reviens 2 minutes plus tard, je vois un téléphone cassé en plein milieu de la pièce. Ouf. Mais c'est pas possible avec une tête pareille en plus sur la photo. Ah non mais là c'est pas... Les amis, je suis dépité, je sais plus quoi faire, j'en peux plus. Bon, finalement, tu sais quoi? Tu sais quoi, Lily Rose? Non. Cette histoire d'internat, je te le dis, Peppa Pink il est pas là, il est parti faire une sieste. J'abandonne. T'es irrécupérable, on ne peut rien faire. On peut rien faire avec toi. Tu casses tout. Même quand on te dit que tu vas aller à l'internat, tu continues de casser. Et oh, c'est quoi ces manières là, Lily Rose? Regarde ton téléphone qu'on a acheté, il est cassé. Mais on l'a acheté il y a... Je sais pas moi. On l'a alors... Il y a un an, mais il est déjà cassé. Il y a peut-être 7 mois. Et il est déjà cassé. Bon les amis, comme vous l'avez compris, j'en ai marre. Suivez nos aventures, cliquez sur une autre vidéo qui apparaît. À je te la laisse dire. Bye.